Yo, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien les potes. On se retrouve encore aujourd'hui avec le plein d'informations en ce qui concerne The Taken King, le prochain DLC de Destiny. Alors je vais vous parler des nouveaux lieux qu'on va pouvoir visiter, des nouveaux ennemis, nouveaux boss, nouveaux raids, etc. Vraiment le plein d'informations. On commence tout d'abord avec les nouveaux lieux. Donc vous le voyez à l'écran, c'est Phobos. Phobos, on y avait accès via une map du PVP. Eh bien ça y est, on va pouvoir s'y rendre tout simplement puisqu'il y a une base Cabale qui est retirée là-bas. Les cabales qui fuient notamment un ennemi, et voilà, on va devoir revenir en aide aux cabales. Vous le voyez aussi, des nouveaux lieux présents sur la Terre, sur les différentes planètes. Cette grosse boule de fer métallique qui se trouve au-dessus de la Terre, vraiment très jolie, hein, vraiment hâte de visiter ces nouveaux lieux. On aura bien évidemment accès à Mercure, vous le voyez à l'écran. Alors ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, puisque ça a vraiment un rôle très important. En tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant de mettre Mercure, surtout pour ceux qui font Osiris et qui, bah, malheureusement, n'arrivent pas à avoir accès à Mercure. On retrouvera aussi le lieu le plus important de ce prochain DLC, le cuirassé d'Oryx, vous le voyez à l'écran. Donc c'est vraiment un gros vaisseau, hein, qui est dans l'espace, un vaisseau qui date de plusieurs millions d'années, qui, voilà, qui... Vous voyez avec ces décors qui font penser à la ruche tout simplement, puisque Oryx est un ancien roi de la ruche. Alors dans ce vaisseau, il y aura plein de mécanismes, un petit peu comme dans un raid à trouver à travers l'émission, etc. Comme cette plateforme qui apparaît, vous la voyez à l'écran ici même. Donc voilà, il y aura plein de choses, des missions, le raid qui va s'y trouver, ça je vais y revenir un petit peu à la suite. Vous voyez qu'il y aura des cérémonies qui auront lieu également dans ce vaisseau. Il y aura également beaucoup de butins à trouver, ça c'est ce qui a été promis par Bungie, notamment ce petit coffre. Et là voici les premières images du prochain raid, vraiment hâte d'essayer. Bungie nous a promis encore une fois un très gros raid. Alors j'espère que cette fois-ci, ils ont mis le paquet, parce que voilà, c'est ce qui manque un petit peu au dernier DLC. Et on a vraiment hâte de pouvoir squatter un mode de jeu à 6. Le nouveau boss du prochain raid est tout simplement Oryx, pardon, qui est le père de Cropta qu'on a battu. Il est revenu pour se venger de la mort de son fils. Il est venu essayer de nous mettre à l'amende, hein, puisque voilà, nous, on a dosé son fils. Vous le voyez, un boss vraiment magnifique, avec des ailes, il lance des espèces de boules électriques. Il vole, il fait vraiment très mal. Donc vous le savez, Oryx, c'est le roi des corrompus. Il a son armée, vous la voyez ici même à l'écran. Donc en fait, en anglais, il s'appelle les Taken, pour ça, Taken King. Donc c'est des combattants, vous le voyez, il y a des déchus, des Vex, la ruche, des cabales qui ont été arrachés à notre dimension par Oryx et renvoyés avec de nouveaux pouvoirs et de nouvelles capacités. Donc vous voyez les pions qui se dédoublent, vous allez voir aussi des ennemis qui vont se téléporter, il va y avoir des prêtresses qui font apparaître des ennemis, vous allez voir aussi des cabales avec les boucliers qui lancent des espèces de boules. Enfin, vous allez voir plein de choses, il y a aussi des ennemis qui ont des boucliers qui vont se former autour d'eux quand vous allez commencer à tirer. Voilà, vous avez pu voir quelques cabales qui se téléportent également. Vraiment de très beaux ennemis. Alors vous le voyez, ils ont une flamme en fait qui les brûle de l'intérieur. Voilà, c'est pour leur donner un air torturé. Vous allez voir aussi que des fois ils vont se mettre à trembler, comme vous le voyez à la vidéo. C'est pour montrer que leur esprit est en désaccord avec ce qui se passe donc à l'intérieur de leur corps. Il y a également 3 nouvelles doctrines, c'est un rôle vraiment très important dans le nouveau DLC, puisqu'apparemment ces nouvelles doctrines nous sont données par la cité et l'avant-garde, puisqu'apparemment on n'a pas les moyens de pouvoir battre Oryx sans ces doctrines-là. Donc ces doctrines auront un rôle particulier à jouer dans le prochain DLC. Il faudra effectuer différentes quêtes pour les récupérer. Donc là vous voyez, à la fin d'une quête on récupère sur Mercure. Juste avant vous avez vu la doctrine du chasseur qu'on récupère dans le jardin noir. Il me semble que la doctrine de l'arcaniste, on la récupérera sur Phobos, voilà, vous voyez à l'écran. Vraiment, je trouve ça très bien de la part de Bungie de mettre un rôle plus particulier sur les doctrines, de pas nous les mettre simplement comme ça, nous les donner et dire voilà, on a mis des nouvelles doctrines. Non, elles ont un rôle, elles arrivent, elles sont dans l'histoire. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant d'incorporer le fait d'avoir des nouvelles doctrines dans l'histoire. Voilà, au niveau de ce qu'il y aura de nouveau également, donc il y aura plein de nouveaux assauts, ça a été promis par Bungie également, notamment un assaut exclusif PlayStation, voilà, donc PlayStation comme d'habitude qui est mis en avant pour une exclusivité d'un an, donc les exclusivités vous les aurez un an après sur Xbox. Il y aura également de nouvelles missions de patrouille, donc ça va changer un petit peu au niveau des missions de patrouille. Il y aura évidemment des nouveaux événements aussi, donc ça fait plaisir, c'est vrai qu'on avait toujours un petit peu les mêmes événements, protéger le Warsat, tuer la cible, etc. Et bien ça y est, ils vont mettre en place de nouveaux événements.
Alors franchement, on a tous hâte, je pense, d'essayer ce prochain DLC. Ça fait vraiment plaisir de voir que là, il y a le paquet qui a été mis. Et voilà, c'est vraiment, même je prononce le mot DLC depuis le début de la vidéo, mais c'est plus une extension, c'est la continuité du jeu, si vous voulez. C'est Destiny 1.5 et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce DLC arriver le 15 septembre prochain, donc à la fin de l'été. Sur ce, je vous laisse les potes. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Passez tous un bon week-end. Tchuss.